Bonjour tout le monde. Aujourd'hui est le 25 mai. Le 25 mai 2024, il est 14h16. Attendez un instant. Je vais tout simplement arrêter tout ça. Voilà. Parce que ça mène du tout. Mais quand on travaille avec le bon Dieu, c'est le diable qui s'en mêle tout le temps. C'est plate, mais c'est comme ça. Donc, je vais vous faire écouter l'homélie d'aujourd'hui, samedi le 25 mai 2024, à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Ça concerne les enfants. L'homélie portait sur les enfants. L'évangile portait sur les enfants. C'est extraordinaire ce qui s'est dit là, et je vais le partager. Donc, on y va immédiatement. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui le ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Cette parole de Jésus s'adresse à toutes les personnes qui ont des enfants sous leur responsabilité. Je pense bien sûr aux parents, mais aussi à l'Église, aux éducateurs, éducatrices, etc. La responsabilité qui vous incombe quant à vos enfants est à la mesure de l'amour que vous leur portez. Et l'amour pour vos enfants ne consiste pas seulement à investir pour qu'ils réussissent dans leur vie, mais surtout pour qu'ils réussissent leur vie. L'amour pour vos enfants ne consiste pas seulement à investir pour qu'ils aient un bel avenir professionnel, donc un compte bancaire bien fourni, mais surtout pour qu'ils soient des personnes riches en Dieu et riches en humanité. Alors, investissez en eux dans l'être plutôt que dans l'avoir, car c'est ce qu'ils sont qui plaît au Seigneur et non pas ce qu'ils ont. Et pour que demain, ils soient des personnes riches en Dieu, riches en humanité, c'est-à-dire pour qu'ils soient des personnes humaines dans le sens plénier du terme, laissez vos enfants aller à Jésus-Christ, ne les empêchez pas. Car c'est au contact de Jésus qu'ils enrichiront leur cœur et non leur poche. C'est au contact de Jésus qu'ils comprendront le vrai sens de la vie et non pas son sens falsifié. C'est au contact de Jésus qu'ils seront vraiment libres et non pas esclaves de leurs passions ni prisonniers des plaisirs éphémères de ce monde. Frères et sœurs, nos enfants présideront demain aux destinées de nos sociétés. Ils ne peuvent pas vivre et se préparer à cette destinée sans connaître la lumière, la vérité et la liberté authentique. Comment marcher dans la vie en pleine lumière quand on décide de se couper de la lumière authentique qui est Jésus-Christ ? Comment marcher en pleine vérité dans ce monde si on décide de se couper de la vérité incarnée qui est Jésus-Christ? Comment marcher en pleine liberté dans cette vie quand on décide de se couper de la liberté authentique qui est en Jésus-Christ?
une vie sans lumière, sans vérité et sans liberté authentique, même si elle est comblée de richesses matérielles, est une vie qui est facilement ballottée par les tempêtes de la vie et qui finit par s'écrouler faute de fondations solides. Une société vaut ce que vaut l'objet de son amour. L'amour de Dieu pour une société harmonieuse ou l'amour de soi-même pour une société anarchique. Vous le savez, frères et sœurs, nos enfants sont à la croisée des chemins. Dans un monde de plus en plus robotisé, de plus en plus artificiel, où l'être humain perd de plus en plus de son humanité. Les fleurs de demain sont dans les semences d'aujourd'hui, nous dit le proverbe. Alors semons aujourd'hui en nos enfants le bon grain de l'Évangile et ils fleuriront demain au parfum de Jésus-Christ. Alors, si vous aimez vraiment vos enfants, laissez-les aller à Jésus-Christ, ne les empêchez pas, pour leur plus grand bien, pour le vôtre aussi et pour le bien du monde entier. Amen. Amen. Donc, écoutez, pour moi, c'est miraculeux. C'est tellement réel. Il n'y a pas de mots. Je ne sais pas quoi dire. Parce que j'ai toujours travaillé pour aider. Mais un homme, un prêtre, qui donne justement, qui nous fournit des messages qui viennent des Saintes Écritures, qui viennent de son esprit. C'est un homme très, très équilibré. Écoutez, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de psychiatre, il n'y a pas de médecin qui peut remplacer Jésus et son représentant, le Père, ici, c'est, je crois que c'est le Père Chabanel. Je ne me souviens pas de son prénom, mais d'une façon, il est extraordinaire. C'est Chabel, je crois, le père Chabel d'A. Et il est extraordinaire, ce message-là, là, franchement, là, pour les enfants, là, continuez à partager. Il y a de la guerre ailleurs, il y a des enfants qui meurent partout sur notre planète. Actuellement à cause des guerres, parce que les guerres sont financées par les marchés boursiers. Et la fabrication d'armes à destruction massive, c'est ce qu'il y a de plus payant pour toutes les compagnies qui investissent pour faire de l'argent. Vous comprenez? Donc, je vous remercie. Jacques-Antoine, 438-390-6246. S'il y en a qui veulent me rejoindre, vous avez juste à me téléphoner. Ou laissez un message 438-390-6246. À bientôt.